Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je vais vous faire un reading Twin Flame. Donc, je ne vais pas forcément faire... si, en fait, si. Bah, en fait, je voulais faire un lien d'âme, c'est-à-dire que je vous fais deux énergies. Vous choisissez si vous êtes la féminine ou le masculin, ou dans quelle énergie vous vous situez. Mais finalement, je vais le faire à la old school, c'est-à-dire la divine féminine et le divin masculin. Sachant que la divine féminine peut être un homme et que le divin masculin peut être une femme. Allez, c'est parti. D'abord, je voudrais remercier Jennifer Guérin. Merci pour le 10. Ça me fait extrêmement plaisir, Jennifer. Je te remercie. Je te fais des gros bisous. Merci à Laurent Lamboglia pour le 50. Ça me fait extrêmement plaisir, Laurent. Je te fais des gros bisous. Merci Laurent. Charline Kouasne, merci pour le 9,44, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Charline, je te fais de gros bisous. Merci à Corinne Mionnet pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Corinne. Merci à Malvi Van pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. D'Allemagne, c'est ça? Non, de Belgique, pardon. Je te fais des gros bisous. Anne-Sophie Le Douigou, thank you so much for the 15-15. Merci pour le 15-15. Je te fais des gros bisous, Anne-Sophie. Merci. Merci à tous ceux qui sont généreux. Isabelle Guillotte, merci pour le 3E. Ça me fait extrêmement plaisir, Isabelle. Je te fais de gros bisous. Et merci à Augustina Oliveira. Merci pour le 40. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Ferry Laurent. Merci pour le 7. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton message, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui sont généreux avec moi, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Zoua Imchal, merci pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Alexandra Noubar pour le 222, je te remercie Alexandra, c'est pas ta première fois. Je te remercie, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos donations, merci pour les super chats, merci à ceux qui regardent, merci à ceux qui mettent des likes, merci à vous tous. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. On va faire trois croix celtiques aujourd'hui. La première croix celtique, c'est la divine féminine. La deuxième croix celtique, c'est le divin masculin. La troisième croix celtique, c'est le lien. Et on va essayer de regarder ça en profondeur. Et on va voir un peu comment ça se passe. Allez, cutting the deck for the divine feminine. Bienvenue sur ce Twin Flame Reading, mes amis. C'est parti, Sun, Moon, Rise, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. Allez, c'est parti, Twin Flame Reading, mes amis. On passe de la 3D, on monte vers la 5D, bien entendu, en passant par la 4e qui est la dimension temps. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît, pour la divine féminine. Je voudrais faire une croix celtique ici. À savoir, les guides me demandent, pose ta question. Où en est la divine féminine et qu'est-ce qui va se passer émotionnellement, psychologiquement, un peu de divination. J'aimerais tout savoir sur la divine féminine, s'il vous plaît. La divine féminine, je vais le faire avec le tarot de la création de K de la femme moderne que vous pouvez retrouver sur Google, la créa de K, bien entendu. Tarot de la femme moderne, je ne sais pas s'il y a encore des exemplaires parce que ce sont des exemplaires limités. Néanmoins, je fais des gros bisous à Karen de la création de K pour m'avoir gentiment offert ce tarot numéro 28 sur 50. Merci Karen, je l'utilise tous les jours. Et il me convient très très bien. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages pour les divines féminines. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. L'énergie qui porte votre jolie divine féminine, c'est l'as d'action. Donc ça me parle d'un nouveau départ en amour, ça me parle d'une passion. Ça me parle de quelque chose de nouveau, mais ça me parle d'une passion ici. Nous avons le Seven of Action in Reverse qui vient me dire que vous n'avez plus envie de vous battre, que vous n'êtes... Là, je vais lire in Reverse aujourd'hui. Vous n'avez... Ça faisait longtemps, hein, mais j'ai envie de le faire. Ça vient me dire que vous... Parce que je trouve que les messages sont plus précis comme ça. Après, ça dépend, mais voilà, j'ai envie de faire in Reverse aujourd'hui. Donc, ça vient me dire que vous n'avez plus envie de vous battre, ça vient me dire que vous n'êtes plus dans la compétition, ça vient me dire aussi peut-être que vous n'avez plus envie de faire d'efforts, que vous n'avez pas envie de vous presser. Peut-être que vous avez envie que les choses viennent naturellement à vous. Pour l'instant, c'est juste l'énergie qui porte votre jeu. Dessous, nous avons le 4 de confort qui vient me dire que vous n'hésitez plus à vous revendiquer, à parler et à dire les choses quand les choses ne vont pas bien. Donc, c'est une très bonne chose, mes divines féminines. Nous avons l'étoile in reverse qui vient me dire que le temps de l'espoir est terminé. L'étoile arrive après la tour, ça vient me dire que maintenant, il n'y a plus d'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Maintenant, vous prenez les jours, les journées comme elles viennent, mes divines féminines.
Nous avons le monde, bien entendu, la carte la plus puissante du tarot qui porte votre jeu et qui vient me dire que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles et que vous démarrez une nouvelle vie, mes divines féminines. Donc, nous sommes ici avec des divines féminines qui ont bien évolué. Donc, ça voudra dire aussi peut-être que le runner, lui, a bien évolué. Je ne sais pas, ce sont les énergies qui portent votre jeu. Votre première carte, c'est le 4 d'émotion universe qui vient me dire que de plus en plus, vous apprenez à écouter votre enfant intérieur. Mais vous savez quoi, je l'ai mis en universe, mais là, à partir de maintenant, je vais les mettre upright. Je vais les mettre upright en fait. Je le lis in reverse, mais quand je ne l'ai pas sur la table, je les mets upright. C'était juste pour les énergies qui soutenaient. Merci mes guides. C'est pas de l'indécision, hein. C'est pas mon ascendant Gémeaux. Hein. C'est que vraiment, voilà, je fais les choses comme ça aujourd'hui. Je me laisse guider par le tarot, je me laisse guider par mes intuitions, mes guides bien entendu. Le 4 d'émotion vient me dire ici, les divines féminines, que vous écoutez votre enfant intérieur. Possiblement en ce moment, vous ne seriez pas satisfaite. Ce que je ne comprends pas, puisqu'on a une nouvelle passion ici, mais peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une certaine insatisfaction et il y a un manque peut-être, ou alors ça veut dire qu'on essaye de vous transmettre certains messages et que vous refusez de les entendre, ce qui pourrait laisser entendre que vous êtes dans une certaine tristesse en ce moment, ou alors ça peut vouloir me dire qu'il y a des indécisions, ou ça vient me dire que peut-être vous n'appréciez pas le moment, ça vient me dire que peut-être les étoiles font des efforts, ça vient me dire que malgré tout ça, il y a une insatisfaction, hein, les féminités. Quel est votre challenge? C'est le 10 de confort, donc ni plus ni moins que le 10 de confort, c'est-à-dire trouver votre place. C'est une question de legacy, c'est une question de trouver sa place, c'est une question de remplir sa mission de vie, c'est-à-dire d'utiliser vos connaissances. La responsabilité, c'est répondre à son habilité. Quelque chose me dit que vous avez des grandes habilités. Ça vient me dire aussi que votre devoir aussi, hein, les gens ont des droits, mais aussi des devoirs, et votre devoir, les divines féminines, c'est de trouver votre place, peut-être de fonder une famille, peut-être avec cette nouvelle histoire ici dont vous êtes insatisfaite. Ou alors peut-être que vous ne trouvez pas votre place ou que vous pensez que vous n'avez pas votre place. Et votre challenge, c'est de trouver votre place ici avec le Ten of Pentacles, où c'est peut-être l'éducation de quelqu'un. On vous demande d'avoir confiance en vous, on vous demande peut-être de montrer les crocs, mais je m'emporte un peu ici, la divine féminine. En tout cas, le Ten of Pentacles, c'est votre challenge. Nous avons la cavalière d'émotions. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, énormément d'émotions. Néanmoins, c'est très agité autour de vous. Des nouvelles émotions, une nouvelle relation. Ça vient me dire que vous êtes encore peut-être un peu timide par rapport à ça. Ça vient me dire que peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre place. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même heureux de ce qui vous arrive en ce moment. Mais alors, ça peut vouloir me dire que vous voulez faire... Ça peut vouloir dire aussi que vous avez énormément d'amour à donner. Encore une fois, de l'amour, de la tendresse et tout ça, mes divines féminines. Vous avez toujours été comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Hein. L'énergie que vous quittez ici ou l'énergie qui fait face à votre passé, c'est le magicien. Donc, quelqu'un qui vous aurait joué un tour ou quelqu'un qui aurait été, qui vous aurait fait croire beaucoup de choses, hein, peut-être le divin masculin aussi, hein, même certainement. Mais ça peut vouloir me dire que vous quittez le magicien, hein, c'est celui qui fait des tours. Alors ça peut vouloir me dire que vous êtes devenu très éveillé. Alors ça peut vouloir me dire aussi que potentiellement quelqu'un essaierait de vous embobiner en ce moment, mes divines féminines, et que vous allez découvrir quelque chose. Néanmoins, on vient me dire qu'il ne sert à rien de forcer les choses, que la lumière vous viendra naturellement. Si quelqu'un devait vous tromper, mes divines féminines, je sais que derrière vous avez l'as d'action et que l'as d'action c'est une nouvelle passion et que c'est plutôt charnel, mais dans la fidélité et tout, c'est pas tellement son fort à l'as d'action. C'est celui qui crame toute la maison, qui se lève le lendemain, qui fait un sandwich au beurre de cacahuète en scred, c'est-à-dire en cachet dans le frigo, et qui s'arrache par la fenêtre, bien qu'en ce moment il fasse un peu froid, mais il en est tout à fait capable parce que c'est l'as d'action, d'accord? Il sait se réchauffer le cœur lui-même. Mais ça vient me dire que, entre guillemets, vous pourriez penser à une certaine infidélité ou que quelqu'un serait peut-être en train de se foutre de votre gueule, là, mes divines féminines, pour rester poli. Mais encore une fois, on vous demande de ne pas chercher... Alors, ça vient me dire que vous êtes très près de vos intuitions. On vous demande de ne pas chercher à découvrir. On vous dit que tout viendra naturellement en lumière, en temps et en heure. Il y a ce proverbe chinois qui dit que si quelqu'un vous a fait du mal, asseyez-vous au bord de la falaise et regardez la rivière, vous verrez passer son cadavre. Quelque chose me dit que peut-être que quelqu'un veut jouer au malin avec vous, mais tel est prix qu'il croyait prendre et c'est celui qu'il croyait prendre et ben qui va se faire prendre. Enfin, bref. Mais donc on vous dit que vous n'avez absolument rien à forcer ici. On vous demande de vous éloigner de toutes les supercheries, de toutes les personnes qui essaieraient de vous faire des numéros de cartes, moi y compris. Mes divines féminines, fiez-vous à vos intuitions et ne validez absolument rien de ce que je vous raconte. Sachant que je ne suis qu'un un tarologue sur YouTube, bien entendu. L'énergie qui vous couronne, mes divines féminines, nous avons le soleil. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes un soleil. Peut-être que quelqu'un ne se rend pas compte de cette chance et va vous perdre. Ou peut-être que quelqu'un se rend compte maintenant de ce que vous êtes et chercherait à revenir. Énormément d'énergie ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Ça peut vouloir me dire que
Vous rayonnez malgré vous. J'ai l'impression que énormément de personnes vous évitent et ne vous disent pas la vérité, mes divines féminines, mais que vous rayonnez malgré vous. Ce que vous avancez vers le 3 d'action. Ce que ça vient me dire ici, c'est que si les choses ne changent pas dans votre environnement, que vous ne vous sentez pas léger, heureux, danser tous les jours et tout ça, je pense que vous allez faire vos valises et vous arracher, les divines féminines. C'est vraiment ce que je vois. Mais en tout cas, les énergies et tout ce qui se passe en ce moment vous amènent au Three of Cups, qui n'est pas les triangulaires, qui pourrait, mais surtout qui vient me dire que vous allez passer un bon moment. Alors, les guides me disent que ce n'est pas le Three of Cups, c'est le 3 de Pentacle. Très bien. Donc, mais peu importe si j'ai vu le Three of Cups, mais tout ça pour vous dire que ça vient me dire que petit à petit, vous allez transformer le plomb en or. Hein. Vous avez le Midas Touch, ça vient me dire que vous transformez les basses vibrations en hautes vibrations. Bien entendu, vous possédez la pierre philosophale, qui vient me dire que vous avez les moyens de changer le merdier dans lequel vous êtes, mes divines féminines, en quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez changer le black and white en tout un panel de couleurs, hein, mes amis. D'ailleurs, vous avez besoin que du jaune, du bleu et du rouge. Hein, une trinité de couleurs ici qui vous permet de faire absolument toutes les autres couleurs, mes amis. Donc ça vient pour vouloir me dire que avec ce que vous avez, vous pouvez composer beaucoup et c'est ce que vous comptez faire, mes divines féminines. Peut-être des projets qui sont à l'étude. Nous avons le roi d'action, quand je parlais de projet à l'étude, qui vient me dire qu'on vous demande d'être intrépide, on vous demande d'avancer, on vous demande de créer, on vous demande d'avoir la flamme, on vous demande d'avancer. Le monde n'attend pas pour s'éveiller, ne repoussez pas au lendemain ce que vous pouvez exécuter le jour même, que vous soyez homme ou femme, vous êtes une divine féminine si vous regardez ce reading, que vous vous retrouvez dans ces énergies. Autour de vous, énormément de conflits, ça j'ai pu le voir, mes divines féminines, mais en tout cas, ça vient me dire encore une fois de vous occuper de vous, de continuer à faire. L'univers vous donne tout ce qui est bon pour vous amener à prospérer. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui pourrait tenter de voler votre projet pour l'utiliser à des fins personnelles. Dans ce cas, laissez-le ou laissez-la faire. De toute façon, comme je vous ai dit, le karma est plutôt quelque chose de terrifiant chez vous, mes divines féminines, donc vous n'avez rien à faire, juste à vivre et à vous concentrer sur vous. À la vôtre. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de conflits, possiblement des manipulations et des basses besognes autour de vous, mes divines féminines. Ou de la manipulation, mais tel est prix qu'ils croyaient prendre, mes divines féminines. Donc je ne m'inquiète pas trop pour cela. Dans Hops and Fear, nous avons le 9 de confort. Donc ça peut vouloir me dire que vous voudriez être indépendant financièrement, vous voudriez peut-être gagner au loto, vous voudriez peut-être que vos cryptos remontent, explosent. Il va falloir attendre encore un petit peu. Hein. Les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. Donc il va falloir attendre au minimum mars, selon spécialiste, pas spécialiste, info, pas info, au minimum mars, mes amis. C'est le Black Friday, donc même les cryptos font partie du Black Friday. Donc si vous voulez en acheter, c'est maintenant. Je ne suis pas conseiller financier, bien entendu. Et le 9 de confort vient me dire que vous voudriez de l'indépendance. De l'indépendance alors que vous venez de commencer une nouvelle histoire. Ça peut me parler d'une passion ou quelque chose que vous voulez réaliser ici. Ça peut vouloir me dire que le feu va embraser votre vie. Hein. La chaleur de tes flammes m'a ravivé, disait Ikki, le chevalier phénix. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez passer à la réalisation parce que le 9 de confort, c'est la pre-impress. Hein. C'est celle qui devient l'impératrice. Hein. Donc ça peut vouloir me dire que vous vous demandez si quand est-ce que l'aventure va commencer et je pense que l'aventure a déjà commencé, qu'elle va vous apporter gloire et fortune, mes divines féminines, parce que l'énergie qui couronne votre jeu, c'est le soleil, ne l'oublions pas. Et pour terminer, quel est le final outcome de ce jeu? Nous avons le 6 d'épines qui vient me dire que vous allez peut-être finir par partir, par tout quitter, mais vous emporterez avec vous une certaine expérience, peut-être une résurrection. Et je pense que votre vie sera fabuleuse. Peut-être que vous allez partir voyager à l'autre bout du monde. Peut-être que vous allez vous libérer. J'ai l'impression que très bientôt, vous n'aurez plus aucune contrainte, aucune limite. Que vous allez penser à votre gueule, les divines féminines. Et que vous avez tout à fait raison de le faire. Maintenant, je vais aller voir de l'autre côté, c'est-à-dire le monsieur divin masculin. Qu'est-ce qu'il devient, monsieur le runner? Celui qui fuit pour pouvoir garder le contrôle. Celui qui reste dans l'ombre. Celui qui ne s'exprime pas. Celui qui accro au sexe, à l'alcool, aux drogues, à son parti politique, à son pognon, mais aussi à sa divine féminine, sauf que ça, il ne l'avouera jamais. Exactement. Mais bon, on va pas commencer avec les runners, hein, sinon les runners, ils vont pas être contents, bien entendu, parce que maintenant, je sais qu'il y a des runners qui suivent mon channel et qui n'aiment pas quand je dis tout ça, d'accord? Mais peut-être un petit peu de vérité. Mais bon, je ne suis pas là pour blâmer le runner. Je suis là pour regarder quelles sont ses énergies. Et peut-être que ses énergies aujourd'hui vont nous époustoufler. Hein. Donc on va regarder ça. Et heureusement que je m'appuie sur les cartes hein, pour les grands connaisseurs de tarot ici, bien entendu. Allez, c'est parti.
Miguel, s'il vous plaît, en ce qui concerne le runner, j'aimerais une croix celtique, j'aimerais que le jeu soit en ordre ici, s'il vous plaît, pour mon collectif. S'il vous plaît, mes amis, j'aimerais vraiment que le jeu soit en ordre pour les runners, pour les divins masculins, pour l'énergie yang, bien entendu. Allez. Très bien, le guide me dit que le jeu est en ordre. Nous avons le Six of Wands, énergie des lions, in reverse, énergie qui porte sa part d'un échec. Nous avons l'Ace of Pentacles qui me parle de quelque chose d'inachevé, d'une perte d'argent ici. Nous avons la mort qui nous parle d'un gros changement au niveau de la vie du masculin. Nous avons le Eight of Swords qui porte son énergie, qui vient me dire que tout ce qui lui arrive en ce moment va peut-être lui permettre d'avoir une certaine réalisation et d'agir différemment. Nous avons le Father of Wands qui vient me dire que celui-ci est en train de faire de l'exercice, est en train de se préparer à faire quoi? Peut-être encore une fois à se revendiquer, à se montrer, à faire quelque chose. Le Son of Wands, donc c'est-à-dire à venir vers vous, mais encore une fois très phallique, encore une fois avec une énergie de feu. Je vois pas beaucoup d'énergie d'eau, je vois pas beaucoup de sincérité là-dedans. Le Hiérophante, quoique, peut-être pour. J'ai l'impression qu'il va devoir faire un choix dans sa vie, le divin masculin. D'accord? Je ne sais pas lequel est-il, hein. Je vais pas vous dire que c'est vous les divines féminines. Toujours dans les regrets. Le Daughter of Pentacles vient me dire qu'il n'a pas d'émotion, il n'a pas de douceur dans sa vie. J'ai l'impression que c'est très perturbé en ce moment. N'en déplaise hein, aux runners qui regardent ce reading, mais ce ne sont que les cartes qui sont ici. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils y sont habitués depuis bien longtemps, nos amis runners. Nous avons The Hangman qui est in reverse ici. Donc ça vient me parler de contrôle, ça vient me parler de ghosting, ça vient me dire que quelqu'un se protège, ça vient me dire que quelqu'un vous observe dans le noir. D'accord? Mais. Je vais la remettre upright, qui vient me dire que possiblement le masculin apprendrait à lâcher prise, en fait, tout simplement. Nous avons le Nine of Pentacles, qui vient me dire que le masculin a les mêmes rêves que vous, a les mêmes projets que vous, c'est-à-dire de devenir indépendant et d'avoir de l'argent. Donc ça peut vouloir me dire que le masculin, en ce moment, une certaine stabilité ici. C'est aussi une carte de communication, donc ça peut vouloir me dire que le masculin pense qu'il n'est pas prêt à la communication avec vous parce qu'il n'a pas assez à vous offrir. L'énergie qui le pousse, bien entendu, c'est l'empereur, hein. C'est celui qui est dans l'ego, c'est celui qui cherche à contrôler, c'est celui qui, moi, je, c'est celui qui décide, c'est celui qui décide pour le bien de tout le monde, hein, comme partir, pas aller faire la guerre et massacrer tout un peuple pour le bien, bien entendu, de son royaume. C'est tout à fait ça, ce sont les énergies qui ressortent de ce reading ici. Ce qu'il quitte, l'empereur, enfin le masculin, c'est le fait de tout quitter. Donc ça peut vouloir me dire que. J'ai l'impression que pendant longtemps, le masculin, il a eu un droit de passage où il a dû vouloir tout quitter. J'ai l'impression qu'il baisse un peu les bras là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le masculin a voulu partir et que maintenant il ne veut plus partir. J'ai l'impression qu'il a envie de courir et de retrouver une certaine sécurité. J'ai l'impression qu'il a envie de repartir dans le monde des rêves parce que dans le monde de la réalité, qu'il ne se sent pas en sécurité ou qu'il ne se sent pas confortable. Nous avons le Sun. Alors ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il a envie d'amour. Il a envie d'amour avec sa divine féminine. Ça peut vouloir me dire aussi que. Il y a énormément d'immaturité en amour. Ça peut vouloir me dire qu'il est à l'arrêt en ce moment. Nous avons. Néanmoins, il se dirige vers le Four of Wands. Donc, c'est le fait de. Alors, c'est marrant parce que vous aviez le Three of Pentacles et lui, il a le Four of Wands ici. Donc, ça peut vouloir me dire qu'il est tellement bas, il est tellement down, 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 down. Ça veut dire qu'il est tellement down que c'est ça qui va, encore une fois. J'ai l'impression que la source est en train de le démolir. Mais de toutes parts. Hein. Enfin, je pense qu'il a vraiment une. Je pense que il va devoir se réveiller là. Son challenge, c'est de devenir indépendant financièrement et de se barrer de tout ce qui ne le convainc plus, de lâcher prise sur sa vie de merde. Hein. Et je pense que c'est ça qui va l'amener peut-être à une libération. Hein. Il est encore très timide. Il est encore très timide, mais il va y arriver. J'ai l'impression que l'univers va le déboîter de toutes parts, jusqu'à qu'il comprenne qui c'est le patron ici. En partie challenge, nous avons le diable. Donc, bien entendu. Je pense que le masculin est en train de comprendre ses torts et travers, j'espère pour lui, ça peut vouloir me dire aussi qu'il a des désirs profonds, on lui demande de répondre à ces désirs profonds et d'arrêter de faire le nigaud, d'arrêter de se saboter. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'on lui demande de regarder la vérité en face, à savoir que tout ce qu'il fait c'est de la merde. Dans l'énergie autour, nous avons le Son of Swords. Donc c'est tout simplement le fait de s'exprimer, de dire une vérité, de parler, tout simplement, d'aller vers sa féminine et plutôt rapidement. Et ça peut être aussi celui qui est sur la défensive, celui qui ne veut pas apprendre. Ça peut vouloir me dire qu'il y a énormément aussi de personnes avec qui il ne peut pas discuter dans son entourage. Ça peut vouloir me dire aussi que
Que le masculin ne veut pas apprendre. Ça veut dire que le masculin ne veut pas écouter. Nous avons, dans Hobbs & Fear, nous avons le Father of Cups. Donc le masculin, il espère devenir mature émotionnellement, il espère un jour comprendre ses sentiments, il espère devenir, comment dire, serein, en fait. Hein. Mais c'est ce qu'il espère. Et pour le outcome, nous avons la Dance of Change. Donc ça peut vouloir me dire qu'il est toujours en train d'avancer vers la liberté, parce que le Two of Pentacles, c'est la libération. Ça peut vouloir me dire qu'il est en train. Vous savez, avant que le caterpillar, hein, ne devienne un papillon, c'est une bouillasse visqueuse c'est un liquide bouillon qui n'a plus rien à voir avec le ver de terre. Ça vient me dire qu'il n'est déjà plus le ver de terre. Ça vient me dire qu'il est encore à l'état liquide, hein. Ça vient me dire qu'il est en état de souffrance, mais qu'il va se transformer et peut-être se libérer. Nous l'espérons pour lui. En tout cas, ce que je vois, vous, c'est que les divines féminines, vous êtes bien loin maintenant et que vous continuez à avancer. Mais je pense qu'il va y avoir une grosse libération pour vous, les divines féminines. Je pense qu'il y a une dernière épreuve. Je pense que vous allez vous rendre compte de quelqu'un que vous, que quelqu'un et que quelque chose que vous ne voulez absolument plus dans votre vie. Très bientôt. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous n'aurez rien à faire, ça va vous sauter comme ça, une réalisation, et ce sera stop. Vous allez faire vos valises et vous allez vous arracher. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je vais aller clarifier le lien, mes amis. Je vais aller clarifier le lien avec le Rider-Waite ici. Allez, nous allons clarifier le lien entre le masculin et la féminine. Ce sont les énergies du moment, bien entendu. Allez, une croix celtique j'allais dire, une partie advise. Ou clarifier le lien entre les deux. Où est-ce qu'il en est le lien en ce moment, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que vous pourriez me mettre le jeu en ordre, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on en est au niveau du lien? Le lien, nous avons le soleil, mais qui est in reverse ici. Donc le lien ne va pas bien, bien entendu. Nous avons la reine des deniers in reverse, parce que personne ne sait quoi faire dans ce lien, ne sait plus quoi faire et ne sait plus quoi dire. Nous avons la justice. D'accord? Qui vient me dire que la justice divine est là et que ce n'est pas la justice des hommes. Nous avons le valet d'épée in reverse qui vient me dire que c'est tellement difficile que les deux vont devoir apprendre quoi qu'il arrive, que les deux, masculin et féminin, sont dans le bon environnement pour pouvoir apprendre, grandir et évoluer. Nous avons l'ermite, la solitude qui est la présence de soi-même. Donc ça peut vouloir me dire que quand les deux se retrouvent seuls, les deux peuvent être en introspection. Un nouveau départ pour très bientôt, je le sens, Three of Cups, ça vient me dire que ça va s'éclater à l'autre bout de la planète ici, et nous avons le Moon in Reverse qui vient me dire que les peurs vont disparaître et qu'on va arrêter de se tracasser à propos de l'argent, on va arrêter de se tracasser à propos du timing, et on va avancer et on va tous les deux se revendiquer, on va tous les deux bosser, on va tous les deux trouver, j'allais dire, être des entrepreneurs, mes amis, tout simplement. Alors, où en est le lien en ce moment? Nous avons le Ten of Swords in Reverse qui vient me dire que c'est potentiellement, les deux sont en train de sortir de la souffrance. Hein. Je l'ai vu dans le divin masculin. Le masculin, lui, doit sortir de la souffrance et la féminine, elle, sort de la souffrance. Le challenge, eh ben, c'est le chariot. C'est le fait que les chakras soient alignés. C'est le fait d'avancer vers la victoire. C'est le fait que les deux sphinx ne se séparent pas et brisent le chariot. C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là, il ne fallait pas passer, dirait la source. Mais encore une fois, sans peur, guidé par les étoiles, on avance toujours dans ce lien. Encore une fois, c'est un lien, hein, vous avez signé pour ça. Nous avons le Seven of Cups, Eight of Cups in Reverse ici qui vient me dire que c'est la fin de l'illusion, que les deux veulent sortir de l'illusion. Ça vient me dire qu'il y a des trahisons, ça vient me dire qu'il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses qui ont été imaginées. Mais on ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. On se fait souvent des idées qui ont perduré pendant des mois et des années et qu'il est temps de vaincre tout ça. Il est temps de vaincre tout ça. Comment? Avec le Five of Pentacles Weaver, c'est-à-dire de quitter la blessure d'abandon, de ghosting, de quitter tout ça, d'accord? On quitte le fait d'avoir été abandonné, d'avoir été trahi, on pardonne. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. On laisse le passé derrière une bonne fois pour toutes. Vous allez me dire, ouais, mais c'est difficile, j'ai pas vu, m'a jamais rien dit, peut-être. Mais vous devez d'abord pardonner, vous devez d'abord transcender avant de pouvoir terminer ce lien, mes amis. Qu'est-ce qui couronne le lien? La victoire. Ça veut me dire que vous avez tous les deux le pouvoir de le faire, mes amis. Vous avancez vers le magicien, un nouveau départ, un nouveau départ. Ça vient me dire que vous possédez tous les éléments. Ça vient me dire que vous êtes les maîtres de votre vie, que ce soit le masculin ou la féminine. Une résurrection du passé en parmi conseils. Ça, c'est vraiment la seule carte dans le tarot qui pourrait être un ex qui revient du passé ou une résurrection, ou la résurrection d'une famille ou une seconde chance, mes amis. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a le diable ici avec le King of Wands. Ça vient me dire que il y a
Pour la féminine, potentiellement un faux runner là qui voudrait s'immiscer dans sa vie, mais en fait je pense que ça va rien donner. Ou alors un ancien runner qui va revenir, alors que la féminine elle voudrait reprendre sa vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une victoire sur le diable ici, c'est-à-dire sur les appartenances, sur le fait d'être enchaîné à quelque chose. On vous demande de briser vos chaînes, mes amis. Au niveau de l'environnement, nous avons un nouvel amour qui se présente à vous, une nouvelle chance, peut-être ensemble ou peut-être séparés. Je pense que potentiellement, cette divine féminine et ce divin masculin ont accompli leur destin en se rencontrant, en se déchirant. Et maintenant qu'il est aussi possiblement, c'est le moment de la victoire, c'est-à-dire que chacun refasse sa vie et recommence sa vie dans le pardon. Ou alors ça peut vouloir me dire que bientôt des couples vont être brisés et que le masculin et la féminine vont se retrouver et que rien ni personne ne peut déroger à ça. C'est une histoire de destin, à la merci de courants violents, mes amis. Dans Hobbs & Fear, nous avons la cavalerie. Donc, on espère encore que cette conversation arrive et qu'elle arrive vite. Donc, ça veut dire qu'elle n'arrivera pas. Et si jamais vous êtes là-dedans, hein, parce que ce que je vois, c'est que vous espérez tous les jours vous parler, mais vous ne vous parlez pas, parce que ce n'est pas en espérant l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. N'écoutez pas tous ces tarot readings en vous disant ça va arriver, l'autre va communiquer avec vous. Si ce n'est pas vous qui faites des communications, ça n'arrivera pas. Néanmoins, les féminines, vous avez arrêté de chaser, donc vous ne communiquez pas. C'est le masculin qui doit communiquer ici. Je vous dis tout de suite, les chaseurs, les féminines, là, ceux qui regardaient les tarot readings, qui êtes accros, parce que vous, les féminines, vous êtes accros au tarot reading, à tout ça, là. On vous demande d'arrêter de chaser, on ne vous demande pas de coup de fil, rien du tout. D'accord? Rien du tout. Vous vous focalisez sur vous. D'accord? Et pour terminer, nous avons dans le lien le Seven of Wands ici. Donc ça vient me dire que possiblement, il va y avoir des discussions, il va y avoir des conversations, mais des conversations houleuses. Des conversations, vous savez, lui, c'est un peu le défroqué, hein, c'est celui qui s'est levé à la va-vite et qui n'a pas enfilé les deux mêmes chaussures et qui se bat contre le monde entier. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y aura des disputes, ça peut vouloir me dire que quelque chose va exploser ici, que ce soit dans la vie des féminines, que ce soit dans la vie des runners, ou alors que ce soit une discussion entre vous qui risque d'être très tendue, qui va arriver très prochainement. Et d'ailleurs, dans ces énergies-là, ça ne m'étonnerait pas. Néanmoins, je vous rappelle que je n'ai aucun pouvoir sur le free will de qui que ce soit. Donc ça peut vouloir me dire que les deux peuvent très bien rester dans l'ombre et ne jamais s'exprimer et continuer comme ils ont toujours fait. Et c'est très bien. C'est très bien que la féminine ne s'exprime plus envers son masculin et qu'elle ait décidé de chaser, bien entendu. Maintenant, qu'elle ait décidé d'arrêter de chaser, justement. D'arrêter de courir derrière. Et ça vient me dire encore une fois que... Encore une fois que la féminine, en fait, elle doit apprendre certaines choses, mais elle doit apprendre certaines choses de son côté. Le masculin, lui, ben, il doit se réveiller et il doit venir être vulnérable. Et comme il n'est pas vulnérable, qu'il cherche à contrôler, le masculin aura beau se marier, il aura beau avoir des enfants, il aura beau faire ci, il aura beau faire genre, ça ne va pas le faire. Et la féminine, par contre, vous continuez à avancer parce que je vois des grandes prouesses professionnelles et pour vous. Hein. C'est ça l'ironie, hein, c'est que tout ce que le divin masculin a toujours désiré, c'est vous qui allez l'obtenir. Ça vient de dire que tout ce que le masculin a toujours désiré, c'est vous qui allez l'obtenir. Et lui, le masculin, qu'est-ce qu'il aura? Absolument rien. À part une vie fausse. Une vie en demi-teinte. Exactement. Mais je pense qu'il commence à en prendre conscience. Hein. Je pense qu'il commence à en prendre conscience. Donc, tant qu'il ne vous aura pas avoué une vérité, tant qu'il n'aura pas été clair avec vous, tant qu'il n'aura pas appris la vulnérabilité, vous, les féminines sacrées, vous ne lâchez absolument rien et vous continuez à faire ce que vous avez fait. Ce lien est amer, hein, ce lien est vraiment amer en ce moment. Mais vous, les divines féminines, c'est pas grave. J'ai l'impression que vous jouez un peu aux abrutis, les divines féminines, et que vous avez décidé de vous... C'est pas une question de se foutre du masculin ou quoi que ce soit, c'est que c'est tout à fait comme ça. Voilà, et puis c'est tout. N'en déplaise à certains. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Ça, c'est numéro 8 si ça vous dit quelque chose. Ça peut être féminin ou masculin. Mais en fait, c'était plutôt la carte du lien. La carte du runner, c'était celui-là. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Ouais, il a possiblement beaucoup de problèmes au travail, le runner, des personnes qui, peut-être autour de lui, qui ont perdu la satisfaction du travail ou qui se rapprochent de la retraite ou alors qui n'en ont plus rien à faire et qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Tout le monde va lui mettre des bâtons dans les roues de toute façon, c'est simple, c'est son karma. Jusqu'à qu'il comprenne, jusqu'à qu'il se mette à écouter, jusqu'à qu'il se mette à évoluer, jusqu'à qu'il se libère de ses prisons.
Et pour terminer, vous les féminines, la liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide, bien entendu. Voilà, j'ai pas envie de faire un tirage gnangnan. Il arrive, il quitte la tierce. Il arrive, il vous aime. Je vous dis simplement qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe en ce moment. En 30 minutes, ça a été rapide. Maintenant, vous savez exactement où est-ce qu'on en est dans ce lien. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Twin Flame Reading. Namaste, my friend.